Alors ça, c'est tous les bagages pour aller voir Max Renardo, ça y est, je pars? Mais non, Marmeton, aujourd'hui tu pars pas, c'est moi qui pars, toi tu restes là. Tu partiras plus tard pour aller voir Max Renardo. Bon allez, Marmeton, maintenant, faut me laisser travailler parce que je suis dans les derniers préparatifs pour Chartres. Alors, il faut que tu arrêtes de fouiner partout. Ça, c'est un chargeur pour pouvoir recharger mes accus là-bas. Et moi, je peux partir, je peux venir avec toi, je peux venir moi? Mais non, tu pourras pas venir, on est une centaine là-bas, puis tu vas t'ennuyer, donc c'est pas la peine, je vais te laisser là, tu seras bien sage. Alors donc, faut rien que j'oublie, parce que si j'oublie quelque chose, bah, je fais 1 200 km pour rien. Donc, j'emmène le chargeur passeport Ultra Duo qui me permettra de recharger mes accus là-bas. J'emmène aussi mon chargeur USB Blitz pour recharger l'appareil photo, le téléphone portable. Donc, il faut bien prendre tous les connecteurs, les bons connecteurs pour recharger les accus, y compris le connecteur éventuellement s'il y en a besoin pour recharger les lunettes Fat Shark, enfin l'accu des lunettes Fat Shark. J'emmène un sac où dedans il y aura beaucoup d'eau, le petit déj, quelques affaires, une trousse de toilette. Dans la voiture, j'ai déjà mis une tente dôme, un matelas mousse autogonflant, une table de camping, un sac de couchage. Et puis j'ai ma grosse mallette de terrain à roulettes que j'aurai toujours avec moi là-bas. Où dedans, eh ben, j'ai des outils. Ça, c'est tous les petits outils avec une pince, ça pour des petits boulons, pour serrer les boulons, des petites clés scipants, tournevis, des écrous. Ça, c'est les hélices. En fait, il faut arriver avec les hélices déjà enlevées, donc je les ai mis là, parce que quand on va arriver là-bas, ils vont nous tester le multicoptère pour vérifier le fail-safe. Donc ça, c'est les lunettes Fat Shark Dominator V2. J'ai l'antenne, je ne sais pas si je m'en servirai parce qu'ils ont dit de prendre le cordon. Parce que je pense que les lunettes, on va les brancher plutôt avec un cordon sur un récepteur spécial. Donc a priori, ça ne sera pas le récepteur qui est intégré dans les lunettes en 5.8. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne un accu aussi pour alimenter mes lunettes. Un accu, moi je suis en XT60, donc ça sera celui-là. J'ai pris un accu de rechange pour la radiocommande qui est déjà chargée. J'ai le Smart Guard pour tester mes accus. J'ai encore de la flotte ici. J'ai encore des hélices parce que je vais sûrement faire de la casse là-bas. Donc des hélices de rechange. Et puis l'étage en dessous, le multicoptère avec toutes les hélices enlevées sauf une. Pourquoi j'en ai laissé une? Pour repérer dans quel sens ça tourne, pour éviter de chercher là-bas. Donc comme ça, je sais que comme c'est un sens sur deux. Celle-là, c'est en sens, c'est pas une reverse. Ça veut dire que là, j'aurai une reverse, ici pas reverse, ici reverse, pas reverse, reverse. Ou j'enlèverai la dernière au dernier moment, et puis comme ça, je pourrai facilement les remettre dans le bon ordre. J'ai bien donc mon récepteur radiocommande de 4, c'est bon. Ça, c'est mon émetteur vidéo 5.8, mais je l'enlèverai, il est prêt avec les connexions, parce que là-bas, ils vont nous en fournir un. Ils nous ont dit de mettre un velcro, c'est déjà prêt, j'ai le velcro. Ici, j'ai la Mobius pour filmer. Donc a priori c'est bon, il est tout prêt. J'ai toujours ma barre de LED qui va faire sensation là-bas. La radiocommande, elle est déjà sur le 2.4. Je suis en 2.4 ici, voilà. Et puis j'ai encore une mallette avec ma réserve d'accu. Donc les accus pour le JPEG principalement. Voilà. Alors dans la voiture, j'ai aussi une allonge électrique 220 volts pour pouvoir brancher mon chargeur. Donc c'est une allonge qui doit faire presque une trentaine de mètres. Comme ça, je pourrais me charger facilement où je veux. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Alors si tu veux, Marmeton, tu peux lui faire un petit coucou, il t'entendra. Ah bon, c'est vrai? Il va m'entendre? Il me voit là? Mais c'est pas la peine de t'approcher trop près de l'appareil photo, il n'est pas dans l'appareil photo, il va te voir sur internet. Ah bon, mais je croyais qu'il était dans l'appareil photo. Mais non, il n'est pas dans l'appareil photo. Allez, tu lui dis au revoir? Au revoir. À bientôt. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à partir pour Chartres. Allez, c'est parti.